Donc les gars, dans cette nouvelle vidéo, je viens avec une astuce de ouf. Donc on va le faire sur le jeu Timble. Donc c'est un tout nouveau hack et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, à chaque fois je vais venir avec des nouvelles mises à jour des différents hacks. Donc aujourd'hui on va le faire sur les différents bookmakers. Tous les liens des bookmakers éligibles à ce hack là seront dans la description de la vidéo. Après avoir cliqué sur l'un des liens, vous allez juste créer votre compte et ensuite vous allez mettre le code promo hack24. Vous n'êtes pas obligé de mettre le code promo, vous pouvez juste cliquer sur le lien pour vous inscrire. Donc le code promo, il n'est pas obligé. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais le faire sur le bookmaker Afro Paris. Comme je l'ai dit, tous les bookmakers éligibles seront dans la description de la vidéo. Donc pour générer de l'argent avec le jeu Timble, comme vous le savez, il y a plusieurs méthodes. Donc là on va voir seulement deux méthodes, ok. Donc la première méthode, il te faut énormément de capital, mais la deuxième méthode, tu vas voir que même sans capital, c'est à dire avec seulement un capital de 20 000 ou 25 000, tu peux déjà commencer à générer des revenus sur le long terme. Mais comme j'aime le dire dans toutes mes vidéos les gars, c'est le pari sportif, c'est les jeux de hasard et surtout n'abusez surtout pas. Les paris sportifs, c'est de l'investissement et chaque investissement, ça comporte des risques. Donc, c'est comme ça, les gars. Ça, c'est la première méthode avec une boule. Donc là, je vais mettre sur jouer. Et dans ma vidéo précédente, j'avais également dit que j'allais offrir le lien vers ma formation à une personne. Et je l'ai fait, je l'ai envoyé à jusqu'à deux personnes. Donc, ces deux personnes, ils ont suivi toutes les instructions de la dernière vidéo, c'est-à-dire... Likez la vidéo, regardez la vidéo en entier, partagez la vidéo, s'abonner et activez la cloche de notification. Donc toi aussi tu peux avoir la chance de recevoir le lien vers ma formation gratuitement. Donc tout ce que tu as à faire c'est de liker cette vidéo, tu mets en commentaire formation. Donc tu vas juste partager la vidéo à minimum 15 personnes. Et ensuite tu m'envoies toutes les captures dans mon compte Telegram. Le lien vers mon canal Telegram sera dans la description de la vidéo. Une fois dans le canal Telegram, tu vas avoir le contact de mon compte Telegram. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de me contacter et m'envoyer les captures. Tu auras peut-être la chance de recevoir le lien vers ma formation de manière gratuite. Pour ceux qui aimeraient aussi avoir une formation, vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Donc les tarifs sont déjà fixés dans mon canal Telegram. Donc là, c'est la première méthode. Donc là, vous voyez que à chaque perte, je suis en train de doubler ma mise à chaque perte. Ok. Donc là, je pense que c'est le plafond. Donc là, on va aller directement à 60 000 francs. Ok. Donc là, on va cliquer sur jouer. Ici, avec cette première méthode, plus vous perdez, vous doublez vos mises et ensuite vous restez sur une seule boîte. Donc là, on vient de perdre encore. Donc vous voyez que la première méthode, il te faut vraiment énormément de capital avant de pouvoir commencer à générer de l'argent. Mais ne t'inquiète pas, la deuxième méthode sera une méthode sûre à 100%. Donc là, on n'a pas tout rattrapé vu que on a doublé plusieurs fois. Donc tu vois que cette méthode, ça demande vraiment énormément d'argent. Ok. Donc là, on va faire une dernière fois. On va essayer de rattraper quelques pertes. Ok. Donc, un problème de connexion, on va juste patienter. La deuxième astuce, on va le faire sur l'application FlowSurf. Ok. Donc là. On y va. Donc là, on a rattrapé quelques pertes quand même, je pense bien. Ok, donc là, on a rattrapé quelques pertes. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur l'application FlowSurf et je vais vous montrer la version qui marche de manière très très sûre. Mais comme j'aime bien le répéter, n'abusez pas avec les hacks. Suivez très bien toutes les instructions, les gars. C'est très important. Une fois sur le bookmaker Afro Paris sur l'application FlowSurf, donc ce que je vais faire ici, la toute première des choses, vous allez défiler au fond de la page. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez défiler au fond de la page. Ok, donc désolé, je vais venir dans la partie jouer. Donc je vais dans la partie game d'abord. Ok, je viens sur tout. Ensuite, vous allez mettre le bookmaker sur la version complète. Actuellement, c'est sur la version mobile. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste activer la version complète. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire cela. Donc, on va juste patienter un peu. Ok, donc une fois dans cette partie, vous allez juste défiler au fond de la page.
ok, vous défilez au fond de la page, juste au fond, et vous allez voir version complète. Ok, là vous allez cliquer sur version complète. Donc là ça va te présenter un peu la version complète de Bookmaker. Donc là on va patienter encore et ensuite je vais te montrer un peu comment est-ce que tu vas procéder pour hacker le jeu. Prends le temps de liker et partager la vidéo, ça ne prend que quelques secondes. On va juste attendre un peu que la connexion soit rétablie. Donc là on va aller maintenant sur le jeu Timble. Vu que c'est le jeu Timble qu'on va hacker, donc on vient sur le jeu Timble, on clique sur jouer. Ok, on va patienter maintenant. Une fois sur le jeu, ça va s'afficher comme ça. Donc là, c'est la version complète des différents bookmakers. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur les trois points. Une fois que vous cliquez sur les trois points, vous cliquez sur extension. Après avoir cliqué sur extension, je supprime celui de Apple of Fortune. Je clique sur le plus from zip. Et là, je vais aller chercher le script de Timble. Ok, une fois dans ma galerie, je descends comme ça. Je clique sur Timble. Une fois que je clique sur Timble, il y a une formation spéciale pour ça. Pour ceux qui seront intéressés, écrivez-moi sur Telegram. Donc là, on va décocher cette partie. Ensuite, on va revenir sur notre bookmaker Afro Paris. Maintenant, on clique sur les trois points encore. On va cliquer sur DevTools. Une fois que je clique sur DevTools, donc là, je viens sur DevTools en bas. Ensuite, je vais agrandir la page. Et je vais cliquer sur la flèche qui se trouve en haut ici. Voilà, une flèche qui se trouve juste en haut. Ensuite, je reviens sur le bookmaker. Une fois sur le bookmaker, je vais cliquer sur la boîte du milieu. Après avoir cliqué sur la boîte du milieu, je reviens sur DevTools. Ok, donc là on va pouvoir hacker notre jeu de manière très très simple. C'est un hack qui ne demande pas assez de temps. Là ça va nous rediriger sur cette page. Une fois sur cette page, ce que on va faire, donc ça va vous rediriger vers Before. Donc vous allez juste cliquer sur le bouton qui s'affiche ici. Voici le bouton qui est juste au milieu. Donc là vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez vous rendre sur l'autre page. Ok. Vous allez vous rendre sur la seconde page. Et là, on va maintenant commencer le hack. Donc, le curseur ici. Donc là, vous allez désactiver. Une fois que vous désactivez le left, vous désactivez également. Ok. On va désactiver le left juste là. Une fois que le left a été désactivé. Bon, donc une fois que tout cela est fait, on vient sur le jeu Timble. Ok, une fois sur le jeu Timble, ça va s'afficher comme ça. On va également faire pour la dernière boîte, la troisième boîte. Je vais te montrer un peu les résultats tout à l'heure. Ok, donc là, on va cliquer sur les trois points et juste sur la flèche. Une fois qu'on clique sur la flèche, on revient sur le jeu Timble. Ensuite, on clique sur la troisième boîte. Ok, une fois qu'on a cliqué sur la troisième boîte, maintenant on va venir mettre le curseur sur une boîte. Donc là on vient sur boîte qui est juste en bas ici. On clique là dessus. Ensuite on va revenir sur le jeu. Et là on va essayer de mettre quelque chose à niveau. Une fois sur cette partie, le outline vous allez désactiver. Ok. Vous allez désactiver le outline. Vous allez juste désactiver cela. Donc, une fois que le outline a été désactivé, là, c'est tout. Vous revenez maintenant sur le jeu Timble. OK. Une fois sur le jeu Timble, ça s'affiche comme ça. Et là, vous voyez que le curseur, il est uniquement sur la boîte numéro 3. OK. Donc là, c'est cette boîte-là que nous venons de hacker. Maintenant, on va placer notre mise. Donc, je vais te montrer un peu comment on place la mise ici. OK. Donc là, on va juste mettre notre mise qui est là.
Ok, là avec ce hack c'est 61 000 francs la mise maximale. Ok, donc là on met 61 000 francs. Chaque hack a une mise maximale. Donc là, donc c'est comme ça que ça marche les gars. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas de liker et partager. Quant à moi, je te laisse à ciao pour une toute nouvelle vidéo.